عليكم الفي، كومو تاليفو؟ سافا بخير هنين، كي صبحتو لاباس؟ كومو فوا لي زونفون سون ليكول؟ دونك سفي بتيت بوز. دونك بور سيل كي زون بوزوان دامبريمي اي دو سافوار كومو اون امبريم les chiffres du nombre de cake. Donc je vous mets la vidéo comme je vous ai dit. Donc on allume son ordinateur, voilà, et puis on va cliquer sur le moteur de recherche. Moi c'est pas Google, c'est Microsoft. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous avez une page ici. C'est possible que vous ayez Google ou quelque chose, donc moi j'ai ça. Donc ensuite vous allez sur la barre de recherche, on va taper, cliquez dessus et on va taper imprimer, imprimer numbers et puis juste numbers, hein, et après vous cliquez sur entrer. Voilà, il en a une image comme ça, et ensuite on va cliquer sur image comme ça. Ensuite on a des chiffres dont on a besoin. Après vous choisissez le chiffre que vous voulez. Donc je vais faire défiler, comme ça vous allez voir, vous avez les numéros, les chiffres que vous voulez. Donc ensuite vous choisissez, pour choisir, alors on clique sur le 3 par exemple. Je fais ce que j'ai fait la dernière fois, vous avez le chiffre 3, et puis on va faire un clic droit sur le chiffre 3 comme ça, et puis on va ici, il y a marqué enregistrer l'image sous, c'est un peu flou parce que je suis trop, et on fait comme ça et vous mettez enregistrer et ça va télécharger là en dessous le chiffre. Voilà, et après vous ouvrez le fichier. Et là, vous avez le 3. Et ensuite, voilà, imprimer. Il faut d'abord, alors, faut d'abord brancher l'imprimante. Moi, j'ai mis les feuilles. Brancher l'imprimante. Hein. Bon, ça, de toute façon, il faut que quelqu'un qui a un petit peu de connaissance puisse le faire. Voilà, brancher le câble, voilà, qui va directement à l'imprimante ici. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur imprimer et voilà, ça nous donne ça, vous voyez. Vous vérifiez bien que il est connecté à l'imprimante que vous avez. Moi c'est HP, voilà, HP 10 F300 série. Donc ensuite, ben, y a rien à changer, vous cliquez sur imprimer, hop, et normalement ça devrait imprimer. Voilà, ça imprime, vous voyez ici. Voilà, on attend que ça s'imprime. J'ai pris que des feuilles blanches, hein. Moi j'ai pas pris des feuilles, bien sûr faudrait que ce soit des feuilles de dessin, comme genre celle de cahier, ça marche aussi, et là c'est juste pour la démonstration, je vous ai pris des feuilles blanches, parce que quand vous allez poser la feuille sur la pâte, il va y avoir de la graisse, donc il faudrait que ce soit une feuille costaud, quoi. Voilà. Voilà le 3. Donc, bah c'est tout. Hein. Après, vous choisissez d'autres chiffres que vous voulez. Donc, voilà. Bah, je vous dis à très bientôt, hein, pour la prochaine vidéo. Salam alaikum.